Bon, bonsoir et bienvenue aujourd'hui dans le Confesse de l'Ange Nushi. Bienvenue à tous et bienvenue sur The Caribbean Tour LKS5. Waouh! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je me présente, m'appelle l'Ange Nushi. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur un nouvel ORG. OMG! Incroyable, OMG sur un ORG. Un ORG français, alors que j'avais dit que j'en ferais pas avant mon bout de temps. Non, en vrai, j'étais obligé. Voilà, j'étais obligé de m'inscrire. C'est un ORG autour des pirates, des bateaux. J'adore les pirates, j'adore les bateaux. J'étais obligé de participer. J'ai obligé d'envoyer ma candidature et j'ai été cast. GG. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Mon pseudo, vous l'avez déjà, mais il faut savoir que. Dans la vraie vie, je m'appelle Léa. J'ai 24 ans. Voilà, je suis auto-entrepreneuse en communication, infographie, bref, je m'amuse dans la vie. Je suis sur une fille d'Internet. J'ai vécu sur Internet, ça me fait plaisir. J'adore Koh-Lanta. Cassandra à jamais dans mon cœur. Elle me représente au mieux. Et du coup, bienvenue sur LKS5, et plus précisément dans mon confessionnal, puisque. Si vous suivez un tout petit peu, vous avez pu découvrir que sur le précédent ORG, j'ai décidé de me lancer dans les confesses vidéo. Voilà, un truc un peu original. Ça change un peu, ça me permet d'être un peu plus vrai dans mes façons de parler, dans ma façon de présenter le jeu, puisque c'est vrai que quand on est à l'écrit, j'avais tendance à remarquer qu'on avait tendance à corriger les erreurs, à corriger la tenue des propos. Là, au moins, je suis vraiment réel devant vous lorsque je vais parler, et c'est ça l'objectif de ces confesses vidéo, c'est que vous ressentiez réellement mon aventure et que j'explique vraiment proprement ma façon de penser. Le confesse reste un confesse, c'est-à-dire que j'écrirai dedans de temps en temps, je donnerai mon avis de temps en temps. D'ailleurs, peut-être que je vais le faire après cette vidéo, voilà, bravo. Mais sinon, le reste du temps, ce sera dans ces confesses vidéo que je serai en règle générale le plus précis, que je reviendrai sur les différents points de l'aventure, sur les épreuves, comment ça s'est passé, mon ressenti, etc. Et en espérant aller le plus loin, si ça dure 2 jours, eh ben, il y aura une à deux vidéos, on verra. Si ça dure toute l'aventure, eh ben, il y en aura des blindes. Si on sort aux ambassadeurs, eh ben, il y en aura la moitié des vidéos. Et puis voilà, je m'arrêterai comme il faut. C'est pas grave si je suis cast. Enfin, si je suis pas cast, si je suis sorti lors du premier conseil, si je suis éjecté. En tout cas, voilà. Concernant mon rapport à Survivor, peut-être que certains s'y intéressent, sachez que. Je ne connais pas Survivor. Voilà, j'adore Koh-Lanta, ça c'est un point. Je suis une énorme fan, je suis ça depuis que je suis toute petite. Je crois que j'ai commencé à regarder Koh-Lanta en saison 4, pour vous dire. Donc j'étais vraiment petite. Par contre, Survivor, c'est un peu mon point noir, dans le sens où ça ne m'intéresse pas. En même temps, ça m'intéresse peut-être, mais. Voilà. Donc je sais plus ou moins ce qu'il y a, je sais plus ou moins les avantages qu'on peut trouver et tout. Mais. Sans plus quoi, j'attends de découvrir finalement, j'attends de qu'on me propose des trucs. Donc je connais les petites subtilités puisque j'ai quand même déjà participé à des ORG Survivor. Mais sinon, je suis beaucoup plus dans le Koh-Lanta et vous me découvrirez au fur et à mesure de l'aventure, en tout cas, j'ose le croire. Que dire? Donc voilà, ça c'est le point important. Je vais pas revenir sur le cast, on reviendra sur le cast durant la première vidéo qui sortira quand le jour 1 sera terminé en tout cas. Parce que le jour 1, il y a très souvent beaucoup de choses à dire. Sinon voilà, sachez que voilà, le confesse vidéo ça marche comme ça. Normalement, il y aura ici, ou peut-être là, ça va changer. Il y aura certainement ici un sommaire à l'avenir. Là, il n'y a pas de sommaire étant donné que c'est la vidéo juste explication. Il y aura également ici. Je vais vous l'ajouter ça par contre. Le jour, voilà. Vous aurez le jour de préciser. Là, dans ce cas présent, c'est un jour zéro parce que l'aventure a techniquement pas encore réellement commencé. Ça commencera réellement demain. Mais du coup, il y a possibilité que des fois, je mette jour 1 à 4, par exemple, pour si je viens faire une vidéo qui parle de plusieurs jours d'affilée, parce que j'aurai pas forcément suffisamment de contenu pour faire un confesse vidéo pour chaque jour en fait. Voilà. Donc des fois vous aurez des confesses vidéo qui regrouperont plusieurs jours en fait. Et ça permettra du coup de faire des vidéos un peu plus longues que juste bonjour, ça s'est bien passé. Au revoir. Non, c'est pas très intéressant, donc autant tout regrouper sur une vidéo pour afin d'avoir de quoi parler. Également, peut-être qu'apparaîtra sur certaines vidéos mon.
Ma trust list qui popera de temps en temps, je l'ajouterai. Et petite nouveauté par rapport à la dernière fois. Oh mon Dieu. Emma! Emma, qu'elle est belle, elle est incroyable. Emma sera là et je sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, j'ai juste voulu l'ajouter. Voilà, je sais pas. Hein. Bonjour Emma, j'espère que ça va bien. Ah, tu parles, je ne t'entends pas. Mais en fait, mon idée, c'est peut-être de représenter un peu plus mon humeur au fur et à mesure des sujets. Donc je pense que là, pour le moment, c'est une Emma classique. Mais il est possible que ça représente mon humeur au fur et à mesure de la saison qui avance, au fur et à mesure des épisodes. Par exemple, si je suis triste, je vous mettrai une Emma triste. Attendez, regardez, je vais vous en mettre une triste, regardez. Voilà, je suis triste. Je suis désespéré. Si je suis en colère, je vous mettrai, je sais pas, je vais vous mettre ça. Non, c'est plus vexé, ça colle pas. En colère, plus ça, dégoûté, énervé, voilà. Ça colle plus un peu plus. Bon bref, mes émotions seront plus. Je vais tenter de représenter mes émotions grâce à ça. Voilà, c'est une. Je tente des trucs, ça se trouve, ça marchera pas et ça sera supprimé au fur et à mesure de la saison. Et de mes confesses vidéo, mais voilà, ça sera peut-être une de mes tentatives de nouveauté pour un peu redynamiser la chose et surtout redynamiser mes confesses. Voilà, au moins ça m'éclate. J'adore Emma. Scientifiquement parlant, j'adore Emma. Bref, en tout cas, merci énormément pour ceux qui me suivront. J'espère que, avec grand plaisir, que vous aimerez ma session de jeu. Sachez que je vais essayer de vous offrir du spectacle, je vais essayer de m'éclater comme à chaque saison. Si vous ne me connaissez pas, bah, j'espère que vous me découvrirez avec grand plaisir. Sinon, bah, je vais me donner à fond. Voilà, tout simplement. Merci à tous. Et on se retrouve bientôt, donc certainement demain, ou peut-être après-demain, s'il n'y a pas grand-chose à dire, pour le premier Confesse vidéo et le premier vrai Confesse vidéo. J'entends par là. Salut à tous, c'est l'ange Yoshi. Pour vous. Oula. Oh, oh j'ai raté mon outro. Salut à tous, c'était l'ange Yoshi. Pour vous servir.